Bonjour ou bonsoir et bienvenue pour cette partie 34 sur Pokémon Éclat-Pourpre. La dernière fois j'avais essayé de combattre Nicolas, le champion d'arène de Telsat, donc qui utilise du type acier majoritairement. J'ai perdu mais j'ai entraîné quelque peu mes Pokémon comme vous avez pu voir. Tout le monde niveau 80, même boule de verre. Donc j'ai mis le multi-expérience pour que ça aille plus vite. Et surtout, je me suis fait pas mal d'argent, parce que j'ai utilisé le Cherche VS, qui se recharge que tous les 50 pas. Donc du coup, bah, j'ai eu le temps de voir quelques trucs, comme vous voyez, 87 les meumeux, 16 rappels, 38 max repousse, 99 hyper potions. Voilà. Et j'ai beaucoup d'argent encore. Voilà, j'ai 150 000 Poké-Dollars. Et j'ai eu l'idée de financer le projet du scientifique à Valzegas. C'est pour ça que je suis allé à Valzegas. Le truc, c'est que où il est, ce gars? Alors, je m'occupe du scientifique, puis on va directement à l'arène. Ah, il est là. Alors, avec mes collègues, nous cherchons des investisseurs pour mener à bien nos recherches. Peux-tu nous aider, si tu le souhaites? Un don de 10 000 Poké-Dollars. Donc, la dernière fois, je lui avais fait un don de 10 000 Poké-Dollars, puis 20 000. Alors oui, merci, nous allons pouvoir continuer nos recherches. Prends ça en gage de ta gratitude. Obtenu PP Max. Ah, peut-être que c'est juste un moyen d'avoir ce genre d'objet. Travaillons actuellement sur un nouveau projet de consommable pour Pokémon, mais il nous faut encore un peu d'argent pour lancer les tests. Cette fois, 20 000 Poké-Dollars seraient nécessaires. Alors oui, j'ai pas l'argent, je peux le perdre, je m'en fous. Merci beaucoup pour te remercier et permets-moi de te donner ce super bonbon. Très bien. Super bonbon. Ah, c'est toi, encore merci pour ton soutien. Cette fois, nous sommes sur un gros coup. Une balle qui capture le Pokémon à coup sûr. Pour finaliser le projet, il nous manque 40 000 Poké-Dollars. Es-tu prêt à investir une telle somme? Alors oui, ça doit être la Master Ball. Tiens, je te donne ce prototype, fais-en bon usage. Voilà, Master Ball, exactement. Est-ce que... Merci pour tes nombreux dons. Si nous pouvons continuer nos recherches, c'est grâce à toi. Ok, maintenant, j'ai envie de voir... Ce gars se reset à chaque fois. Valzegas, c'est là. Si je peux avoir des PP Max à 10 000 Poké-Dollars seulement, c'est gratuit, c'est cadeau. Alors, où il est déjà? Alors, faut que j'aille tout droit comme ça, puis en haut, c'est ça. Voilà. Ah, je peux pas gruger encore. Ah, j'aurais dû donner 10 000 Poké-Dollars au début, puis revenir. Ok, Master Ball, très bien. Ok, ok, alors... PP Max, on va le mettre sur qui? Quelle attaque nous garderons à coup sûr? Donc je pense pas que Boule de Plume en a besoin. Non plus. Giga Sensu a déjà été augmenté. Peut-être Cascade. Ou lance-flamme. Cascade ou lance-flamme. Cascade ou lance-flamme. Alors, on va faire un petit truc. Alors, hop. J'ai pas de pièces sur moi actuellement. Donc on va faire un pile ou face. Alors, pile, ce sera cascade, face, ce sera lance-flamme. Hop, pile. La pièce tombe sur face, très bien. Donc c'est lance-flamme qui recevra le PP Max. Je fais ça immédiatement. Aussi, il y a quelqu'un, un administrateur, qui a envoyé un commentaire. Bon, je sais que c'est un petit peu du spam. C'est obligé, pour se faire de la pub, il est sûrement passé de chaîne en chaîne en disant que, ouais, ta vidéo est géniale, tout ça. Bon, je l'ai quand même accepté parce que le geste... Ça va, le geste, je le trouve noble.
C'est un site qui s'appelle Entre YouTubeurs et qui permet de mettre en avant ben, justement les YouTubeurs les moins célèbres. Même si j'ai un petit peu halluciné quand j'ai vu qu'il y avait un mec avec 200 000 abonnés qui s'était inscrit là-bas. Je pense, enfin, si vraiment tu regardes mes vidéos administrateur de ce site, que tu devrais limiter, genre à 5 000 abonnés, pour que vraiment ceux qui ne sont vraiment pas connus puissent aller là-bas. Pas tout le monde. Sinon, ça va devenir encore un endroit de corruption, comme YouTube qui est actuellement dans ce cas de figure. Non, attends, je vais où là? Je parle, mais je regarde même pas où je vais. Très bien. L'arène est là. Ouais, donc je pense que vraiment YouTube est mort un petit peu à ce niveau-là, en termes d'honnêteté. Honnêteté, tout. Maintenant, c'est tout du faux, quoi. Personne est lui-même. J'ai regardé, j'ai critiqué un des podcasts sur ce site, sur ce fameux site. Bon, j'aime pas tellement la manière de critiquer ces chaînes. La manière qui a été faite pour ça. Mais en tout cas, je trouve que ça fait un plus. Ça peut être amélioré. Rien n'est perdu. Et voilà, ça fait connaître justement les chaînes qui devraient l'être, plutôt que d'autres, plutôt que des gens corrompus, qui sont là juste pour l'argent. Ah oui, il y a ce fameux truc là. Alors je crois que c'est celui-là. Puis celui-là. Mais non, attends. Voilà. Il va vers le haut. L'autre, il faut qu'il aille vers la gauche. Celui-là, je peux le pointer avec ma souris. Celui-là, faut qu'il aille vers la gauche. Celui-là vers le haut. Ah oui, désolé aussi si vous avez vu la souris qui est apparue pendant quelques temps parfois. Bon, ça gêne pas trop parce que c'est dans la zone noire ici. Moi, je vois pas de zone noire. C'est juste que le ratio fait qu'il y a une zone noire. Et je veux pas faire de ratio 16 neuvième parce que ça étire l'image et ça fait un jeu dégueulasse à la fin. Bon, faut que j'arrête de parler pour rien. Allez. C'est pas ça. Je vais faire un petit peu au hasard comme la dernière fois. Ah, voilà. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Et voilà, c'est parfait. Ok, c'est parti pour Nicolas, donc. Je sauvegarde. Voilà. Et c'est parti. Donc, les présentations ont déjà été faites dans la partie 33. Donc, passons directement au combat. Mince. Allez, ça commence bien. Je load. J'ai oublié de mettre le bon Pokémon en premier. Boule de lave. Voilà. Voilà, il ne s'est rien passé. Nicolas. En espérant que je sois plus rapide, sinon il va me faire un séisme. Ah ben super. J'ai pas résisté malheureusement. x4, c'est mort. Alors je vais mettre boule de verre. Il sert à ça. Concrètement. Petit rappel sur boule de lave déjà. Oula. Ouais. Je pense que j'utilise déjà une mauvaise stratégie. Ouais, je soigne boule de lave. Je vais perdre boule de verre, mais je vais essayer de faire 100. Le plus possible. Ouais, super efficace. J'ai une défense de fou, mais ça suffira pas. Alors, je vais mettre pour toi. J'ai une boule de fiche. Il a peut-être tonnerre. Ça m'embêterait un petit peu. Allez, cascade.
Ah, ça fait le taf. Ouh là 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 là. Niveau 77, ils sont vraiment costauds. Hein. Ouais, voilà, il va faire guérison. Ouais, à mon avis, c'est un combat qui s'annonce très difficile. Hein. Allez, boule de lave, je pense qu'il va utiliser une deuxième guérison. Si c'est pas le cas, il me tue. Bah oui, il me tue. Bon, allez, je pense pas que ce soit la bonne stratégie. Suis obligé de reload, hein. Ça sert à rien, je sais d'avance que je vais perdre. Si le premier Pokémon me tue au moins 3, je pense pas que ça soit la peine de continuer, même avec 50 rappels. Bon alors, qu'est-ce que je peux faire contre lui? D'efficace. Il est acier roche. Il me semble. Boule de lave ne sert à rien. Lui, il servira à rien non plus. Je peux pas faire tunnel. Boule de Noël à la limite. Allez, j'essaye avec boule de nœud. Je vais essayer de l'endormir. Ah, parfait. Puis je vais switcher sur boule de lave. Et enfin, je vais faire lance-flamme. Ça devrait le one-shot. Sauf s'il se réveille avant. Il a plus de vitesse que moi, donc là, on va voir. Ah, ça va, il dort profondément. Allez, one shot le, s'il te plaît. Pense qu'avec la malchance que j'ai, il va se réveiller. Voilà, exactement. Oh putain. J'aime pas avoir raison, quoi. Allez, boule de fiche. Allez, le laisse pas à 1 PV, s'il te plaît. Tue-le. Merci. Ensuite, Magneton. Qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Alors, électrique. On va mettre boule de nœud. Peut-être que j'aurais dû PP max la poudre dodo. Peut-être. Oh oui, le rayon signal, j'y ai pas pensé. Voilà, hop. Ce que je vais faire. Ouais. Allez, rappel sur boule de lave. C'est risqué là. Et les meumeux sur boule de lave aussi. Malheureusement, il se réveille. Ah là là. Allez, je vais tenter un mur lumière. Allez, résiste, boule de lave, t'as une bonne défense spéciale, il me semble. Ouais, pas génial non plus. Non, mais qu'est-ce que je fais? J'ai appuyé trop vite. Faut que j'arrête d'appuyer super vite. Allez, j'ai perdu un tour pour rien. Lance-flamme. Bien. Cisaillox. Alors le mieux, c'est que je garde boule de lave. Faut que j'arrête d'appuyer trop vite aussi. Ma manette elle est mal. Voilà. Je la remets bien parce que j'avais le pouce qui était presque bloqué sur le bouton X de la manette. Donc ça suffira, je pense. Surpuissance. Ah oui, c'est quel type ça? C'est roche ou pas?
coup critique, c'est super efficace. Bon. Allez, en direct. Je vais voir qu'est-ce que c'est cette merde. Alors, Pokémon surpuissance. J'en ai marre de me faire one-shot par une attaque que je connais pas. Type combat. Ah oui. Ok, type combat. Ok, il a le corps ardent, donc ça c'est super. Je vais mettre boule de fiche. Il a la brûlure, donc c'est tant mieux. On va pouvoir régénérer tout le monde. Ouais, il me fait quasiment rien. Allez, les meumeux. Ça par contre c'est dangereux. Et les meubles. Voilà, résiste. Voilà, attaque et défense. Il s'est baissé 2 de défense. Allez, cascade. J'ai bien fait de commencer avec boule de nœud. Mais c'est pas de la triche, hein. C'est comme si j'avais perdu puis j'étais revenu. Je vous fais gagner du temps. Métallos, qui mettre? Je pense que boule de plume ne servira pas du tout dans cette arène. Donc je vais le mettre pour Métallos. Et je vais au moins lui faire sabotage. Point éclair. Ah, désolé, boule de plume, tu résisteras pas à ça, je pense. Oh, tu résistes! Bien! Allez, faut que je réfléchisse. Là, il va me re-one-shot. Ok, boule de fiche. Je vais te soigner avec une hyper potion. Ok, la psycho, point éclair. Je sais pas ce qu'il a d'autre. Ça m'énerve. S'il a séisme, je peux pas mettre boule de lave. Je peux pas mettre lui. À la limite, boule de nœud. Allez, boule de rock. Faut que je sache s'il a séisme. Il a séisme. Mince. Mince, mince, il va me tuer. Et je crois qu'il m'avait déjà fait séisme dans la partie 33. Mais j'ai tourné il y a quelques temps. Ouais. C'est pas bon. Allez, boule de nœud. Point éclair, séisme, psycho. Je pense que boule de nœud, il peut résister. Ah, rayon signal. Je pense pas qu'il a beaucoup d'attaques spéciales. Oula. Allez, réussi. Ouais, super. Allez, je tente le bluff de boule de lave. Oui. Bon, je pense pas que ça fasse du one-shot. Hein. Parce que Métallos, quand même, c'est un Pokémon extrêmement résistant. Ouais. Ah. Protection. 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 Et lance-flamme, résiste, résiste, allez, allez, allez. Oui. Je pense qu'elle va le re-soigner encore. Exactement. Allez, lance-flamme encore une fois. Théisme résiste, parfait. Oh oui, coup critique. Ouh, allez. Alligator. Alligator. Allez, boule de fiche. Alligator. Wow, qu'est-ce que c'est ça? What the fuck? Il est en métal?
Genre c'est la ligature métal quoi. Vraiment étrange, hein. Allez, rappel. Non, pas rappel. Hyper potion. Sur boule de nœud. Alors, séisme, ouais. Je crois que j'ai toujours la protection, donc ça va aller. Ouais, voilà. Protection ami prend fin. Je l'ai plus. Il a séisme donc. Ouais, non, ils serviront à rien. Ouais, boule de lave. Je te soigne quand même. Ok, tu rates ton attaque. Allez, à moi. Mais je crois qu'il est haut acier maintenant, c'est ça? Vraiment, il a un aspect qui fait penser à l'acier. C'est pour ça que je dis ça. Et j'ai peur qu'il ait... Ouais, c'est pas efficace. C'est pas efficace, comment ça? Ah bah oui, haut acier. Autant il est juste haut, hein, et je m'inquiète pour rien. Bon allez, je tente boule de nœud. C'est un petit peu lâche de faire la technique poudre dodo puis changer, mais bon. Donc ouais, ça voudrait dire qu'il est insensible au feu. Hein. Point glace. Aïe 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 aïe. Ça va. Ah, allez. Allez, hyper potion. Je peux résister. Ok, je me soigne. Allez, croissance. Tant qu'il fait pas de coup critique, ça va. Allez, par contre, faut pas que tu rates ta poudre dodo. Allez, 75%! Il va me geler tout à l'heure. Je vais rien comprendre. Réveille déjà. Oula 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 oula. Coup critique qui fait mal. Hein. Alors je suis accroché à ma troisième croissance. Faut que je puisse le one shot en fait. Il y a un moment il aura plus de points glace. Mais à un moment j'aurai plus de poudre dodo non plus. Allez, encore une croissance. Et là, c'est parti pour la giga sangsue qui va faire mal. J'espère qu'elle fera mal. En tout cas, elle sera neutre. Je pense. Elle fait pas si mal que ça. Allez, me gèle pas, s'il te plaît. Je pense pas que je one shot. En tout cas, je pense que c'est son plus fort. Ça va, je l'ai tué. Je pense pas que c'est son plus fort. Enfin, je pense que c'est son plus fort, justement. Donc, je pense que le reste, ça va. Ouais, armure. Je pense que ça ira. Allez, boule de lave. Je pense pas qu'armure pose un souci majeur, en fait. Même aile d'acier, je pense que je pourrais résister. Toxique, parfait. Allez, lance-flamme. One shot le, s'il te plaît. Pff, en tout cas, cette arène, waouh. J'aime beaucoup l'idée du Pokémon spécial à chaque fois. Le spectre pour Léa de l'arène de Villa Cambrie. Et là, un alligator métal. C'est métal. Débattu champion Nicolas. Tout simplement splendide. Quel dresseur hors pair tu fais? Tu mérites vraiment ce badge tel ça. Et j'ai les 8 badges maintenant.
Grâce au badge Telsa, tu auras un Pokémon, un contrôle absolu sur tous les Pokémon. Je te fais aussi un autre cadeau. C'était 23. Que de faire? Une attaque acier suffisamment puissante pour briser les roches les plus dures. Elle baissera la défense des Pokémon qu'elle touche. Avec cette victoire, tu rassembles donc les 8 badges, ce qui te permet d'accéder à la Ligue Pokémon. Pour y aller, prends le chenal à l'est de Telsat. Je te souhaite la victoire. Bonne chance, jeune dresseur. Votre carte dresseur est montée d'un niveau. Ah bon? Ah ouais, maintenant c'est rouge. Et voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tous les badges. Yeah! Bien. Maintenant, le moment le plus dur. Je pense que le champion est dur, mais Yann le sera encore plus. Faut pas oublier qu'il va avoir le Dracolos. Ça, c'est un petit peu chiant. Et surtout, est-ce que mes niveaux 80 seront nécessaires? Est-ce qu'ils seront pas niveau 82, 83? Moi, j'ai vraiment peur de ça. Hein. Allez, petite sauvegarde, pour savoir qui je mets en premier. La dernière fois que j'avais mis en premier... Boule de plume. Alors je vais faire la même chose. Boule de plume en premier. La dernière fois, je l'avais battu en un petit peu trichant. Enfin, j'avais sauvegardé en plein combat pour faire des stratégies en plein combat, tester des trucs. J'ai peur de devoir faire la même chose. On verra. Bon, ça y est, c'est le moment décisif. On va bien voir lequel de nous deux est le plus à même d'affronter la ligue. En garde! En tout cas, on est plutôt sur la fin du jeu. Bientôt à la fin. Allez, Yann, montre-moi ce que t'as. Rafflesia, ouais, voilà, comme la dernière fois. Allez, vol! Cette fois-ci, je gride pas. J'ai pas fait de dance slam. Et j'aurais dû. J'aurais dû ou peut-être pas. Hein. Allez, réussi, s'il te plaît. Parfait. Allez, déjà un de moins. Milobellus, on va mettre. On va mettre boule de nœud. Poudre dodo. Oula, oula. Ah, je pense qu'il va one shot. Fait chier. Ah. Ouais, mais one shot. Ah, fait chier. Allez, boule de verre. Toxique. Oui, toxique marche, ça va. Bon, au pire, ça va lui faire utiliser une guérison. Mais c'est vraiment le pire, quoi. C'est pas super génial. Ouais, j'ai les restes. J'utilisais Télémeumeu jusqu'à ce qu'il soit empoisonné. C'est la stratégie avec boule de verre. Hein. Voilà, hop. Le poison l'épuise. Il a tenté de me faire toxique, là, je rêve. Merde. Je le force à faire surf, en fait. Allez, j'accélère un petit peu parce que là c'est pas une partie très intéressante. Bon, surf encore une fois, super efficace. Allez, là je tente la toxique. Oui!
Je tente pas le diable. Allez, les meumeux. Je me soigne du poison, c'est pas un problème. C'est le seul avantage que j'ai contre Yann, je peux utiliser item infini. Enfin, presque infini. Je suis pas à l'abri d'un coup critique, j'en suis bien conscient. Un coup critique, je pense qu'il me one-shot. Hein. Allez, encore un toxique au cas où. Non. Ok, Milobelus, va-t'en. Kikli. Kikli, j'aurais bien mis boule de plume, hein, mais... il est pas trop disponible. Alors, je vais le soigner. J'aurais pu le soigner. Ah ouais, j'aurais pu le soigner au lieu de faire toxique. C'est là que vous voyez, je joue pas super bien. Hein. Ah, j'ai plus le gros lococ, super. Allez, les meumeux sur boule de fer. De boule de verre. Boule de fer, non, pas du tout. Quoique, avec la défense qu'il a, peut-être. Pied voltige. One shot, exactement. Bon, boule de plume. Ouh. Elexprint. Alors là, je vais mettre boule de rock, évidemment. Ah oui, j'avais oublié qu'il avait ça. Allez, Elexprint, c'est fait. Ouais, j'accélère, hein. En pitié. Allez, boule de plume. Pied voltige, dégâts neutres, donc... Me one-shot pas, s'il te plaît. Ouh là 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 là. Parfait. Donc je pense que Kikli est mort, sauf s'il a un bandeau, comme moi. Alakazam. Allez, boule de verre. C'est le moment de briller par ta défense spéciale. C'est clair. Toxique. Bien. Allez, je me soigne. Qui je vais soigner? Allez, c'est important là. Allez, boule de plume. Putain, ça c'est dangereux. Oh là 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 là. Trop dangereux. J'ai une idée. Plénitude. Encore. Tu vas le regretter, mon pote. Tu vas le regretter amèrement. Il est obligé de faire plénitude. Allez, vol, hop. Pff, boule de verre, franchement, il me sauve tout le temps. Allez, Dracolos. Bah, boule de verre. Allez, toxique. Par contre, j'aime pas que tu augmentes ton attaque, s'il te plaît, arrête. Bien, maintenant encore. C'est risqué, mais... Bon, ben, vas-y. Allez, hyper potion. Voilà, il est épuisé. Oh oui! Oh non! Bécitrus! Oh non! Oh non, mais il allait mourir, allez! Allez, toxique. 75 de précision. C'est là où tout va se jouer, là. Allez, allez. Oh non! Allez, toxique. Bien. Encore. Ah oui. Yes! Allez, je peux changer.
Est-ce que j'envoie boule de roc pour Damoclès à l'infini? Non, boule de plume, parce que c'est stabé. Yes! C'est fini. C'est fini. Yes. Heureusement que j'ai Karatroc, heureusement que j'ai boule de verre. Oh là 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 là, il m'a sauvé avec son toxique à chaque fois. Mon dieu, quoi. Et j'ai gagné en one shot Yann. Incroyable. Du début à la fin, ça aurait été toi le meilleur. Ça aurait été toi le plus radin. On dirait que j'ai encore des progrès à faire. En tout cas, c'était vraiment sympa de combattre contre toi, en plus d'avoir été bénéfique pour mes compétences de dresseur. Je suis content que tu vois les choses comme ça. Je vais continuer à m'entraîner et à défier des dresseurs d'exception. Ainsi, je deviendrai un jour plus fort que n'importe qui. Je te souhaite bonne continuation. Bonne continuation, Lake. On se reverra peut-être un jour. Oui, barre-toi. Oui. Eh ben, je pense que c'est une bonne conclusion pour cette partie 34, non? J'espère que cette partie 34 vous a plu. Alors, certains se sont peut-être demandé pourquoi je demande pas des pouces bleus, de s'abonner, de partager. Ça, je pense que vous êtes assez grand pour le faire tout seul. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous le dire. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous pousse à faire les choses. Si vous appréciez quelque chose, vous le faites. C'est tout. Vous ne l'appréciez pas, vous le faites aussi. Je suis pas là pour. Je suis pas là, je suis pas votre mère. Donc j'espère que vous avez apprécié cette partie. Et rendez-vous à la prochaine partie pour la marche victoire. Puis peut-être la Ligue Pokémon. On verra. Salut!